À l'occasion de la fête des pères, le prince William a posé avec ses trois enfants dans des vêtements aux couleurs assorties. Des photos prises sur une pièce importante pour la reine Elisabeth II. Le prince William et Kate Middleton ont partagé des clichés à l'occasion de la fête des pères. Sur ces clichés, toute la famille a porté des vêtements bleus. La fête des pères survient à seulement 3 jours du 41e anniversaire du prince de Galles. Fête des pères en bleu pour les Wales. Ce dimanche 18 juin 2023 marque la fête des pères de cette année. À cette occasion, le prince et la princesse de Galles ont partagé de tendres clichés sur leur compte Instagram. Rappelons que le prince William et Kate Middleton ont 3 enfants, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 8 ans et le prince Louis, 5 ans. Sur les clichés partagés, le prince William pose avec ses 3 enfants. Le sourire bien présent de la famille témoigne d'un bonheur complet en famille. La famille s'est visiblement accordée pour tous porter des vêtements bleus. Selon le palais de Kensington, ces clichés ont été pris dans le domaine de Windsor au début de l'année par Millie Pilkington. Si l'on se réfère aux vêtements des enfants royaux, ces images auraient été prises lors de la séance photo pour le 5e anniversaire du prince Louis. La princesse de Galles n'est pas présente sur les clichés partagés. Seulement, sur d'autres photos partagées pour cet anniversaire, on voit que Kate Middleton portait un pull rayé blanc et bleu. Prince William, une double fête pour l'héritier du trône. Ces photos comportent également un clin d'œil à la reine Elisabeth II. En effet, le clan Wales est assis sur un banc offert à la monarque pour ses 90 ans. La publication de ces photos survient à seulement 3 jours d'un événement marquant pour le prince de Galles. En effet, le prince William fêtera ses 41 ans le 21 juin 2023 prochain. La fête continue donc pour l'aîné du roi Charles III. Il est déjà arrivé que l'anniversaire du prince héritier tombe le même jour que la fête des pères. On parle d'une double célébration pour lui en 2015 et 2020. Notons qu'en 2015, le prince et la princesse de Galles n'avaient encore que 2 enfants. À cette époque, la princesse Charlotte n'avait encore qu'un mois.